Ils sont pas agressés, mais quand même ils poussent les choses. C'est juste que nous on était un peu, on n'a pas le choix. Mais après, l'or il était un peu énervé parce qu'on a demandé pour rester un peu, pour faire autre chose, pour récupérer vos affaires. Les affaires nettoyées. Il a poussé vite. Je sais pas qu'est-ce qu'on va faire, on va aller. Ils n'ont pas dit où vous serez logé. Non, c'est juste qu'ils sont arrivés, ils donnent des hôtels ou des trucs. Il va falloir que je passe. Je laissez passer l'avocate, s'il vous plaît. Je suis l'avocate de... Alors... Je veux voir mes clients, s'il vous plaît. Mais ils sont pas détenus. C'est-à-dire la liberté d'aller et venir, c'est-à-dire que je peux les assister pendant les opérations. Ils ont le droit de sortir. Mais ils ont le droit de rentrer avec leur avocat aussi. Conseiller mes clients sur l'opération d'expulsion, c'est normal. Ils subissent une mesure de droit, ils ont le droit d'avoir un avocat qui leur explique ce qui se passe. Donc j'ai le droit d'être avec eux en fait. C'est pas plus, c'est ni moins. Je vais me coucher devant le bulldozer. La seule chose que je demande, c'est de pouvoir assister mes clients qui ne comprennent pas ce qui est en train de leur arriver et de pouvoir les conseiller sur leurs droits au fur et à mesure de la mesure. Vous pouvez les contacter par téléphone. Ils ont pas de téléphone. Non, non, ils ont pas de téléphone. Bonjour, vous habitez ici? Ah non, pas du tout. Je suis bénévole pour une association. Vous aidez à récolter les animaux. Des animaux. Ouais. Et c'est quoi l'association? Les Patounes du Cœur. Patounes du Cœur, ok. Ouais. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est que les gens ils vont être relogés dans les hôtels, ils prennent pas les chiens, c'est ça? Ben, on ne sait pas, on suppose, après on n'est pas trop informé, mais il y a un dépôt juridique. Ils sont relogés, mais les hôtels disent non, du coup ils vont tous aller à la SPA, il n'y a pas de secret. Elle est saturée. Et c'est l'euthanasie, quoi. C'est la vérité que les gens veulent pas voir. Donc, je sais pas, on va voir ce qu'on peut faire pour eux. C'est tragique pour tout le monde, en fait. Bonjour. 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 Bonjour, monsieur. Vous êtes passé par où? Par le chemin. Par ici, là? Oui, par là, par le chemin, là. Ah, par derrière, non, il faut que vous ressortiez par là, s'il vous plaît. D'accord. Oui, normalement, comme ça, à chaque fois, vous pouvez. La police. On fait partie de l'association 14. On a travaillé du coup avec l'équipe d'Aria, mandaté pour la ville de Montpellier et la fondation AFIR. Et on a travaillé depuis février sur un diagnostic social et spatial du bidonville et sur un projet de sanitation pour améliorer les conditions de vie et aider à stabiliser les familles pour rentrer dans un logement et trouver un travail. On allait rendre ces diagnostics au service de la municipalité en septembre. Puis c'est un gâchis aussi de temps et d'énergie pour les familles d'abord et les travailleurs sociaux, parce que le gâchis il est surtout quand même pour les familles en premier, mais aussi pour tout le travail d'accompagnement. Parce que du coup, nous dans la sanitation, on devait travailler sur un grand nettoyage, sur fournir un accès électrique qui soit sécure, et sur la construction de toilettes et de douches. Pour permettre aux familles d'être bien stables dans les processus qui sont déjà en cours, hein, de scolarisation, d'accès. Bien sûr, ouais. Donc tout ça est complètement mis à plat en même temps que les maisons. Et en même temps, ça fait depuis 2019 que montent ces projets et qu'on essaye de tenir cette approche.
Et aujourd'hui, on voulait venir pour voir comment un déploiement de ressources si grand peut être à l'encontre d'un type de projet qui est quand même porté à niveau national par la DIAL, niveau régional, niveau local. C'est-à-dire, on a du mal à trouver des ressources pour des choses qui sont portées à toutes les échelles. Mm-hmm. Par contre, avec un claquement de doigts, on déploie 3 fois plus de ressources pour une expulsion. Merci pour le moment. Allez. Allez.